Donc moi, je veux simplement vous présenter rapidement le principe de la journée, enfin du point de vue de la recherche, hein, évidemment, qui va se décliner en 4 sessions différentes. Ce qu'on a fait, le principe de cette journée un peu scientifique, mais de communication des recherches de l'ISVV, comment on l'a conçu, c'est très simple. C'est simplement qu'on s'est dit on prend 4 thèmes. Ce n'est pas tous les thèmes, les grands thèmes de société, mais enfin, on prend 4 thèmes de société très importants, dont on parle beaucoup. On parle beaucoup d'élections aujourd'hui, et vous remarquez que ces thèmes-là sont à l'ordre du jour. Et on va montrer que les recherches sur la vigne et le vin peuvent éclairer, peuvent apporter quelque chose pour discuter de ces 4 thèmes et apporter leur éclairage. Et donc, on a demandé à 4, Lydia en a déjà parlé, on a demandé à 4 professeurs éminents de venir nous décrire l'état de la situation sans forcément parler de la vigne et du vin. Et puis, après, charge aux jeunes chercheurs et aux directeurs de laboratoire de venir eh bien, montrer ce qu'on fait sur la vigne et le vin à l'ISVV. Voilà. Alors, les 4 thèmes, je les passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est évidemment le changement climatique qui est le premier thème par rapport, et on voit bien tout de suite les enjeux par rapport à la vigne et le vin. Ensuite, on continuera avec la biodiversité, les questions de biodiversité environnement. On en arrivera, et là, vous remarquerez qu'au goût du vin, donc référence à l'œnologie, Émile Pénaud, évidemment, mais c'est pour une fois, c'est un thème. On a mis le thème vin en termes, parce que là, c'est le goût hédonique, c'est le plaisir de boire du vin, et tout ce que ça veut dire au niveau œnologique. Et après, on en arrivera aux enjeux économiques, enfin, aux enjeux de santé de comportement et de comportement des acteurs économiques. Donc, ça sera à chaque fois. Donc, l'idée, c'est que à chaque fois, il y aura une discipline scientifique qui viendra illustrer ces quatre grands thèmes de société. Ça sera le regard via une discipline scientifique, sachant qu'on va quand même beaucoup parler de multidisciplinarité et surtout d'interdisciplinarité, c'est-à-dire de lien entre les scientifiques eux-mêmes tout au long de cette journée. Donc voilà, je ne m'attarde pas. Je vais demander à Nathalie de présenter un peu la session. On va attaquer tout de suite la session changement climatique. Et après, Hervé Le Treut va commencer sa première présentation. Mais d'abord, c'est à Nathalie de nous présenter un peu les deux intervenants.